Mes amis, soyez les bienvenus dans ce petit live making. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec mon pull de Noël spécial Zelda. Ça faisait longtemps que je vous promettais un live coding, live making plus exactement. Donc on va faire ça ce soir. Salut CAC. Alors j'ai ouvert le projet Zelda A Link to the Dream, dont je vous ai déjà pas mal parlé dans des précédents lives, et dont Benbin est l'auteur principal. J'avais un pas mal bossé sur les maps d'extérieur. Alors. Ah voilà, ça c'est l'ancienne version de la baie de Martha. Et Julio propose une nouvelle version où les falaises sont. Enfin, les espaces plus exactement sont mieux arrangés. Notamment, il n'y avait pas beaucoup de place dans l'eau par rapport au jeu de base. Zelda A Link to the Dream, pour ceux qui ne savent pas, c'est un remake de Zelda Link's Awakening, mais avec les graphismes de Zelda A Link to the Past. Donc il a refait la map comme ça, complètement, ou presque. Et moi, maintenant, je suis chargé de peaufiner les falaises parce que c'est toujours très très compliqué de faire les falaises correctement. Donc là, il y a plein de petits problèmes. Là, ça et ça va pas ensemble. Là, il y a des trous. Enfin, il n'arrivait pas à bien finir, ce qui est tout à fait compréhensible. Et vu que j'ai un petit peu d'expérience dans ces fichues falaises, je vais essayer de faire ça au mieux. Alors, je vois que notamment, il a complètement changé l'espace du bas là. Le truc c'est que ouais bon bah là ça colle pas mais voilà, je pense qu'on va pouvoir réparer ça facilement. Simplement il y aura plus d'eau visible entre les deux entre cette falaise là et cette falaise là. Je pense que ça devrait pas être un gros problème. Merci pour le compliment CAC. Quand j'ai vu ce pull on était à un magasin de manga et d'articles geek et quand j'ai vu ce pull j'ai pas pu résister, je me suis dit il faut que je fasse des streams en période de Noël avec le pull. Alors, par où on va commencer? Là, je voudrais vérifier que les transitions avec les maps voisines sont correctes. Je ne savais pas, peut-être pas forcément besoin que ça dépasse. Même si il n'y a pas de. Oups. Pas de conséquences néfastes si ça dépasse. Attends, la limite de la map, elle est là. 960 par 768. Donc là, par exemple, l'herbe, elle va un peu trop loin. Après, c'est peut-être fait exprès de. Souvent, on va exprès trop loin pour pouvoir plus facilement faire la transition avec la map voisine. Mais là, je voudrais vraiment être sûr. Ok, bon là on a pourquoi pas on a ça, mais c'est pourquoi ça s'affiche au-dessus du téléporteur, c'est bizarre. Le téléporteur est à la couche 0, ça c'est à la couche 1. Ok. Admettons. Salut Zelda Rétro. Ah oui, d'ailleurs l'entrée du donjon 5 là, elle est toute cassée, mais il m'a dit de pas y toucher, c'est parce que. Il a changé le tileset, mais il n'a pas encore mis à jour la map, je pense. Donc c'est la seule chose que je dois pas toucher. Il m'a dit de virer en fait les tiles qui vont pas. Et je m'occupe de tout le reste de la map. Mais pas de l'entrée du donjon. Voilà. Alors. Donc ça c'est l'ancienne version, enfin c'était ma version je crois, c'était moi qui ai dû faire l'essentiel de cette map. Et ça c'est sa version. Ouais, il a essayé de faire des angles droits par exemple là, mais des fois on peut pas toujours, enfin
Disons qu'il faut tricher un peu, notamment là. Normalement, en fait, il a mis des bordures ici parce que les angles droits n'existent pas sur ces falaises-là. Dans Link to the Past. Quoique, on pourrait quand même. Oups. Mais bon, je veux dire, par exemple, dans A Link to the Past, si vous allez dans la zone du Palais de l'Est, à chaque fois qu'il y a des angles droits, comme par hasard, il y a ces bordures-là qui sont pile dessus pour couvrir les angles droits parce que ils n'existent pas dans les graphismes. Bon, alors, on va regarder les maps voisines. Donc là, on est dans la map C4. Donc si on va voir la map, logiquement, B4. Là, on est juste dans la map de gauche. Donc, on devrait vérifier que cette transition-là, qu'il n'a pas cassé ça. Donc là, par exemple, on a cette souche-là. En haut à droite de la souche, on est en 960-576. Ok. Donc ça veut dire que la souche en fait elle est, pour être précis, elle est là exactement. Non, là. Donc c'est bon. Puisque Link peut marcher sur ce carré exactement et pas sur celui du bas. Donc là il va pas se retrouver bloqué. Faut juste être sûr que quand là il marche à droite. Il va pas se retrouver bloqué dans cette falaise. Ah oui, mais là c'est ma map, celle-là, c'est pas celle de Julio. Mince, justement. Je vérifie pas du tout le bon truc. Donc là, je pense qu'on a clairement un problème, il n'a pas dû tester. Hein. Parce que là, on va se retrouver complètement dans les murs. Alors, ou alors faut changer ça aussi, quoi. Ok, on va tester. Oh, c'est long à démarrer. Très long. Alors, comme toujours, on va tricher. TP test. Martha test. Eh oui, mais le problème. Ah, j'ai plusieurs problèmes. Déjà, je ne sais pas nager. Ok, c'est mieux. Heureusement que je peux tricher. C'est quoi cette ombre là? C'est un méchant? Ouh là là, y a plein d'erreurs là avec certains ennemis. Alors, en fait, dès que je change de map, c'est que si je reviens, je vais me retrouver dans l'autre. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais supprimer ou renommer mon ancienne map. Ouais, je pense qu'il a pas dû tester parce que. En plus, il doit pas savoir trop gérer les scripts et tout et tout. Martha test. Script. Alors, il y a quand même des scripts. Je vais juste vérifier si c'est exactement le même script. Oui, c'est bon. J'ai vérifié de mon côté. Ok, donc ça, c'est pas un problème, le script. Donc, je vais renommer celle-ci en Martha Bay Old sans mettre à jour, justement, les téléporteurs qui mènent à cette map.
Il y en a une qui s'appelle Martha Test B, mais moi il m'a dit que c'était celle-ci la bonne. Donc je vais renommer celle-ci. Martha Test. Non, justement, c'est out slash C4 Martha Bay. Voilà. Alors. Autant prendre la bonne description. On va mettre la licence. L'auteur du script, c'est Bimbin. L'auteur des maps, c'est nous trois. De la map. Ok, donc maintenant elle devrait être un petit peu plus testable. À condition qu'il ait gardé les mêmes noms des télétransporteurs. Enfin, les mêmes. Genre celle-ci, elle scrolle vers C3. Celle-ci vers B4. Ouais, ok, ça m'a l'air correct. Donc on va pouvoir tester. Celle-ci vers D4. Ce téléporteur-là. Cabine téléphonique. Après, il y a ces erreurs-là, je pense que c'est juste des ennemis qui sont pas finis. Bonsoir Phoenix, salut Tama. Et toutes mes plus plates excuses pour ne pas avoir streamé depuis longtemps et pour encore moins avoir streamé du live coding depuis longtemps. C'est vrai que souvent le soir j'ai envie de me défendre, de me détendre avec des échecs. Et puis j'ai pas toujours le courage de me lancer dans du Solarus. Alors, on va retricher. On va aller vers out C4. Et puis on va sauvegarder à la sortie de la cabine télépathique, téléphonique. Donc je vais vous montrer le problème. Attendez, je suis où là? Ouf, je suis en moins 1691. Ah oui, ça je sais pourquoi. C'est parce qu'il faut qu'on indique les coordonnées de la map. Alors, et on va regarder la old. Déjà, le monde, faut cocher outside world aussi. Ça, c'est une petite différence. C'est pour que le système de cartes et tout ne soit pas perdu. Donc 1920 sur 2304. Ah oui, puis après ça, je m'étais dit, ça fait longtemps que je veux le faire d'ailleurs, enregistrer en live le tuto Solarus hebdomadaire. Parce que je publie sur YouTube un tuto chaque semaine, chaque vendredi soir en français et en anglais. Et cette semaine, j'ai prévu d'en faire un sur le head-up display. Mais bon, toujours est-il que ouais. Je me suis dit pourquoi pas l'enregistrer en live, comme ça vous pouvez voir les coulisses de l'enregistrement. Tous les ratés. Vous pourrez voir combien de fois je m'y reprends pour l'enregistrer. Tiens, rien. Ah non, c'est normal ça. Ça c'est pas les trucs visibles. Si ça vous intéresse. Mais le problème, c'est que je sais pas trop quoi raconter sur le head-up display parce que je me suis rendu compte que j'en avais déjà parlé en fait. Dans un précédent tuto. Mais bon, pour l'instant, on va s'occuper de cette map. Ouais, donc là, si je scroll ici, bien sûr, je me retrouve dans le mur, ça va pas du tout. Oh là là.
Et si je scrolle là, alors est-ce que les arbres sont coordonnés? Oui, les arbres, ça a l'air d'aller. Cette falaise, ça a l'air d'aller aussi. Ici, c'est bon aussi. Est-ce que vous entendez la musique? Normalement, on doit l'entendre, mais pas du tout forte. Ok, ici, il n'a pas changé non plus. On dirait qu'il n'y a que le problème en bas à gauche, alors. Village des animaux, tout va bien. Il y a deux cabines téléphoniques sur cette map, en fait. Intéressant. Est-ce qu'on peut passer par l'eau? Je pense pas, mais bon. Peut quand même en profiter juste pour vérifier. Là, il y a un gros faux raccord là. En fait, je pense que non, je pense que c'est ok. C'est juste que. Ici, il y a un séparateur. Donc, on a fait une transition qui est pas. Qui casse les séparateurs, mais comme elle est possible qu'en trichant, c'est pas un problème. Oula, où est-ce qu'il va lui? Oh là là. Ouf. Ok, ces falaises ne sont pas finies. Ils sont pas sur la bonne couche. Ah ok, bah tant mieux Phoenix. C'est exactement ce que je voulais. Il n'y a rien de pire qu'un stream où on n'entend pas la voix du streamer parce que la musique est trop forte. Ok, donc au niveau des raccords entre maps, on va commencer par ça. Le seul problème, c'est donc ici. Tout le reste, c'était ok. Ensuite, on s'occupera des problèmes de falaise. Donc, ici, on n'a pas vraiment de contraintes, on fait un peu ce qu'on veut. Du coup, je vais respecter sa nouvelle disposition de falaise. Et en gros, on peut faire un copier-coller de ça. Et le coin au gauche de ça, il est en 616. Y égale 616. J'ai pris un petit bout de noir avec. Attendez, ça veut dire que j'ai pas tout supprimé là. Oups. Si on veut être vraiment maniaque, voilà. Tac, tac. Donc 616, ça doit être, je sais pas où, quelque part beaucoup plus bas. On est en 640. Ok. C'est pas non plus un changement énorme, hein. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste baisser tout ça. De genre seulement 16 pixels, ça devrait suffire. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, je sais ce qui se passe. Il faut que ça soit en arrière-plan. Tac. On va zoomer un peu, on comprendra mieux ce qui se passe. En gros, tout ça, il faut que je supprime. Il faut que je tourne tout de suite. Fasse mon virage tout de suite. Il me manque un tile. J'ai supprimé trop de choses. Non. Ok, d'accord. Il faut que je. Si je veux pas avoir à faire un angle droit, il faut que je baisse encore de 16 pixels de plus. Parce qu'on n'a pas vraiment de tile dos pour faire un angle hyper droit, quoi. Oups. Du coup, je commence. Je vais essayer de le faire sans angle droit. Donc ici, je suis bien en 600. Ah non, 624.
Ah merde. Attendez, 600. Ah oui, 616 parce qu'il y a l'ombre. Donc non, c'est bon. J'avais peur qu'il se soit décalé par rapport à la grille de 16 par 16. Mais non, c'est bon. Donc ça, on supprime. Ça, on baisse. Ça, on baisse. On va ajuster les petits carrés d'herbe. La souche, elle va disparaître. Ça va disparaître. Voilà. Après, on peut rajouter des petites herbes, des petites fleurs si on veut. Ok, le raccord devrait être bon. Donc on va tester ça. Mon moteur doit être compilé en debug là parce que c'est hyper lent. J'ai vérifié quand même. Alors l'éditeur est en debug. Ah non, le moteur est en release. Ok, c'est pas grave. Ouais, c'est bien comme ça. En plus, c'est mieux que la transition elle soit à plat et pas en diagonale, parce que quand il était en diagonale, ça m'obligeait à rajouter une souche juste pour faire obstacle, pour éviter que le joueur se retrouve coincé dans les murs. Donc ça, c'est bien. Bon, alors après, là, il a un peu triché pour forcer que cette falaise passe. Du coup, l'eau, ça va pas du tout, là. On peut, il n'y a pas moyen, là. Je pense qu'il faudrait au moins tout décaler de 8 pixels à gauche là pour que les vagues puissent avoir assez de place pour se faire face à face. Et puis là c'est moins compliqué. Ouais, je disais, il suffit de, à mon avis, hein, il suffit de mettre des trucs comme ça, de raccorder direct les falaises ensemble. Parce que sinon on n'a vraiment pas assez de place. Une autre solution, ça serait de masquer un peu les vagues là, mais... Oh, ça marche presque, c'est rigolo ça, tiens. C'est vrai que ce truc-là, c'est deux tiles. Donc ouais, souvent moi j'utilise effectivement ces pierres là pour cacher les pour cacher les endroits où je triche. Voilà. Voilà, ça va être galère. J'aimerais juste voir ce que ça donne dans le jeu avec l'animation. Est-ce que vraiment on peut se permettre de faire ce que j'ai fait là, d'ajouter du bleu foncé.
Non, on peut pas vraiment parce que ça rend bien sur certaines frames, mais pas sur toutes les frames de l'animation. Je vais quand même essayer d'éviter de faire comme ça, si je peux. Donc, je peux tout descendre de 8 pixels éventuellement s'il faut. Mais là déjà, je vais essayer de juste bouger tout de 8 pixels, mais vers la gauche. Ouais. Donc ça. Tout ça, on va dire 8 pixels à gauche pour que ça aille bien avec ça. Ah, ça c'est étirable. Ah oui. Ben, ok. Bizarre qu'il soit étirable ceux-là. C'est un peu moche quand même ces pierres super bien alignées là. J'aimerais mieux qu'elle soit un peu moins parfaite. Genre peut-être comme ça, puis là, voilà comme ça. Même si ça déborde un peu là, c'est pas très grave, je pense. Ok, alors ensuite, là, il y a du boulot. Bon, déjà, est-ce qu'on peut toujours passer ici? Oui. Si on veut, on peut pousser l'escalier un peu à gauche. Mais y a, normalement, c'est pas nécessaire. Du coup, l'eau, elle va s'arrêter là. Elle va reprendre là. Comme ça, logiquement. Un peu d'irrégularité, ouais. Et là, pour que ce soit pas tout noir, parce que ce noir-là, en fait, c'est juste le fond des espèces de vagues comme ça. Donc là, théoriquement, c'est soit ça quand il n'y a rien, soit ça quand il y a plusieurs étages de falaise. Donc normalement, ça devrait être ça. Mais ensuite, là, il va falloir improviser un peu, je pense, pour trouver quoi mettre ici. On peut essayer de mettre ça. Mais là, du coup, les vagues, ça va pas du tout aller. Problème, c'est les vagues ici. Si je fais du tout noir, c'est affreux.
Si j'essaye de tricher avec des pierres. Attendez. Je vais me préparer une pierre en réserve ici. Parce que comme c'est deux tiles, c'est toujours chiant à copier-coller. Peut toujours un peu. Oups. Là, ça va pas. Couche 1. En plus, oui, c'est vrai. Ce bout-là est sur une couche supérieure par rapport à celui-là. Si on met de l'eau, ça va pas non plus. On pourrait mettre celui-là quand même. Mais j'y crois pas trop. Comme ça, en fait. Ouais, pourquoi pas. Je pense que c'est le moins pire pour l'instant de tout ce que j'ai essayé. Bon. Ensuite, il y a aussi là qui est moche. Peut-être que pour ça, on pourrait cacher avec une pierre, par contre. Mais là, on peut plus passer, c'est malin. Donc non, on peut pas vraiment cacher avec une pierre. Alors on peut, mais il faut déplacer l'échelle. On va déplacer l'échelle. Ok. Pas sûr qu'elle fonctionne bien cette échelle avec les détails comme ça. Ouais, c'est le retour de l'arnaque pour compenser les manques de décor. Mais si vous allez voir le vrai A Link to the Past, c'est absolument terrible le tas d'arnaques qu'ils ont fait. On s'en rend pas compte quand on joue. Par contre, ça et ça va pas vraiment ensemble. Ah, ça va mieux comme ça en fait. Ils sont décalés de 8 pixels. Comme ça, c'est. Ouais, non, ça va pas non plus, je trouve. Il fallait déplacer la falaise nord un cran vers le haut. Bah en fait, j'ai pas envie parce que il a vraiment fait exprès de la pousser vers le bas le plus possible pour garder un peu plus les proportions de la map de Link's Awakening quand on se déplace ici et tout. Le problème, c'est que nos falaises Link to the Past, elles prennent beaucoup beaucoup plus de place que les falaises de Link's Awakening. Donc c'est pour ça qu'il a un peu tout compressé en bas, c'est exprès. C'est un compromis, hein. C'est sûr que c'est pas c'est pas hyper hyper beau. Ok. Donc pour ça, on va dire que c'est bon. Ensuite, là, je vois qu'il a fait une erreur à chaque fois. Mais ça va être pénible à corriger. Il faut que je prenne le modèle d'une map où il y a de l'eau pour vous montrer. Alors, même pas celle-là. Pourtant, il y en a de l'eau. Ben, si, c'est que. N'y a pas exactement le même cas. Si. Voilà. Ouais, mais là, il n'y a pas les vagues alors. En gros, il a oublié cette couche-là, ces 8 pixels-là. Il a fait directement comme ça, le mur et la vague. Le haut de la falaise et ensuite la vague. Non, là c'est bon. Là, il a. Ah non, ça c'est moi. Ça c'est ma map. Et ça c'est sa map. Donc il manque 8 pixels d'épaisseur de chaque falaise qui est dans ce sens-là. Donc j'espère que ça va pas tout péter.
Ah bah là justement, il a fait un angle droit comme comme j'avais évité de faire sur la map voisine. Mais ça va, ça passe bien là avec le petit carré noir, le petit carré noir là-haut. C'est pas mal. Ah, il a pas pris les bons tiles là. Parce que quand c'est de l'eau, c'est pas celui-là normalement. Enfin, je crois. Peut-être que si maintenant. Si, si, c'est bon. Pas de souci là-dessus. Sinon, je vois pas d'autres erreurs particulières. Il a bien respecté les falaises. Il y a juste à chaque fois cette couche de 8 pixels qui manque. Mais le problème, c'est que ça va nous forcer à changer pas mal de choses. Il a peut-être fait exprès parce que ça lui simplifie la vie là pour faire les l'eau, on dirait. Parce que quand on met cette épaisseur de 8 pixels, on doit faire des trucs un peu moches comme là. Là, c'est un bon exemple. On a l'épaisseur de 8. C'est bizarre ce que j'ai fait ici. C'est hyper bizarre là parce que. Là, on a une épaisseur supplémentaire de 8 pixels en diagonale. Alors que là, on l'a pas. Peut-être que j'ai pas trouvé de moyen de faire autrement. Normalement, c'est comme ça. C'est pas censé comme ça, il y a un gros pâté tout noir là. Donc, je suis pas sûr que ce soit le bon exemple à suivre. Mais je l'ai fait à plusieurs endroits. Alors, c'est peut-être pas moi, je sais pas. Alors, par où on va commencer? Stratégie, stratégie. Donc on a ce bout-là, ce bout-là, ce bout-là. Et puis ces trois-là, qui sont relativement indépendants entre eux. Ah, et puis là aussi, mais ça c'est encore plus indépendant, c'est un îlot. Et là on a un problème aussi d'ailleurs. Donc là, cette île, il est désaligné de 8 pixels, à la fois horizontalement et verticalement. Comment il a fait pour s'en sortir? Parce que ça, c'est même pas désaligné. Je sens que ça va être galère. Je vais pas pouvoir enregistrer le tuto ce soir. Peut-être commencer par ce côté-là. Donc du coup, faut bien que je... Ouais, mais trop bizarre ça. J'ai pas trouvé de moyen de faire mieux. Je sais juste que je voudrais un modèle, mais là, le modèle, il me plaît pas du tout. Si on allait voir C3, y a aussi un petit peu d'eau. Là, ça se passe mieux là. Comment? Alors pourquoi là on a réussi et pas dans l'autre? À éviter les gros pâtés noirs. Tout est bien aligné sur la grille de 16 par 16 là. Donc il y a juste cette vague là. Ces vagues là qui se retrouvent désalignées. De 8 pixels. Mais après on se rattrape.
On arrive à se rattraper parce que là, ça se chevauche un petit peu, là, si vous voulez. Ces deux-là, ils pourraient être là. On les laisse ici. Donc là, on se rattrape. Et puis pareil ici. Donc c'est ça qu'il faut faire. Ce qui est bien, c'est que au moins les falaises de base là, elles sont toutes bien alignées sur la grille de 16 par 16, comme je lui avais dit. Il n'y a que l'eau qui pose problème. Alors, peut-être que pour les angles droits, c'est plus compliqué. Parce que là, on n'a pas d'angle droit. Ah oui, d'accord. En fait, il faut des aligner à la fois horizontalement et verticalement. En plus, je viens de le dire. Donc, genre comme ça. Ah oui, mais là, il y a triché là. J'avais pas vu. Ça et ça va pas du tout ensemble. Ça va pas avec ce bout-là. Peut-être qu'on pourrait, Phoenix, ouais. Mais du coup, là, faudrait trois tiles différents pour juste celui-là. Trois patterns différents. Ok, donc là, il a complètement triché, c'est pour ça qu'il gagne de la place. Normalement, l'eau, elle devrait être là. Ah bah d'ailleurs, ils y sont, les tiles. Le tile qui manquait, il y est, en fait. Il était juste caché. Mais donc là, ça nous oblige, à mon avis. En plus, il manque un petit truc, là. Ça nous oblige à faire 16 pixels de moins là. Si je dis pas de bêtises, parce que ça c'est obligatoirement là. Donc on n'a pas trop le choix. Du coup ça fera un peu moins angle droit. Peut-être qu'il a parfaitement compris les falaises et qu'il a fait exprès de tricher. Hein. Parce qu'il voulait avoir des angles droits. Manque un petit bout. Celui-là. Parce que là, il a clairement triché. Je disais que j'acceptais de la triche là. Mais changer l'épaisseur de la falaise, ça me plaît pas trop. Ok, donc là on a une transition légale. Ici c'est bien conforme maintenant. Conforme à Link to the Past, c'est légal. Ça l'est moins. Mais c'est juste un petit bout, c'est pas une catastrophe. Après on pourrait les faire, les vagues en angle droit, ça doit pas être si méchant à faire. Bon, je réfléchis à nouveau, est-ce que vraiment, vraiment, je suis sûr à 100% qu'on ne peut pas faire mieux? Parce que, en vrai, si j'enlève... Je peux pas enlever juste une épaisseur de 8 pixels, enfin de 16 pixels.
Pourquoi je pourrais pas? Pourquoi je pourrais pas faire ça? Quoi ça encore? Là j'ai comme un problème. Alors pourquoi j'avais pas le problème quand c'était 16 pixels plus haut? Je fais CTRL Z pour voir comment j'avais fait. Ah oui. Parce que là ma falaise est... bon, ma vague est par erreur illégale à nouveau. Ah, ok. Ah si, je peux, mais c'est juste que ça fait tout descendre. Donc je peux pas. En fait, ce que je crois que je veux dire, c'est que la vague, elle pourrait être comme ça. Ah voilà, c'est ça. Là, j'ai un angle droit légal. C'est ça que je veux faire. Tac, tac. Vous croyez qu'on peut ou qu'on peut pas? Me souviens quand je faisais ça avec RPG Maker et que j'avais que des tiles de 16 sur 16 justement. Qu'ils étaient même pas animés d'ailleurs. Parce que si je fais ça me fait remonter la falaise aussi. Je veux pas spécialement remonter celle-ci en fait. RPG Maker est un bon entraînement pour démarrer. Non, je dirais Solarus. T'as moins de limitations, tu peux faire des tilesets de la taille que tu veux, mais tout ce que tu veux, c'est plus puissant. Après, je dis ça, mais j'ai pas utilisé RPG Maker depuis peut-être 2003, alors peut-être que ça a changé. En fait, au niveau de l'eau, ça serait possible d'être 8 pixels plus haut et plus à gauche. Mais ça de... faudrait décaler toutes les falaises du coup. Remonter les falaises d'un cran. Non, j'ai pas trop envie. Je veux garder autant que possible la forme des falaises qu'il souhaitait. Sauf que là, effectivement, j'ai pas vraiment pu. J'ai un peu agrandi le bord diagonal là. Ouais, on avait un point d'exclamation Discord, je me souvenais même plus. Tiens, ça, c'est plus comme ça. Bon alors voilà, même problème ici. Normalement, il faudrait faire comme ça. Mais du coup, ça rend cette transition
Particulièrement compliqué. Ouais, faut décaler de 8 pixels aussi horizontalement pour que ça passe. Comme ça. J'aimerais vraiment qu'on arrive à faire cette diagonale, qu'elle reste de cette dimension-là et pas de l'agrandir comme l'autre. Comme ça, est-ce que ça serait possible? Ça me force à désaligner par rapport à la grille de 16 par 16. Bon, peut-être que ça va engendrer d'autres problèmes. Ok. Alors maintenant que j'ai désaligné celle-là. Enfin, en gros, j'aligne par rapport aux vagues sur la grille de 16 par 16 au lieu d'aligner par rapport au haut des falaises comme précédemment. Ça serait ça l'idée. Donc celle-ci, elle pourrait aller soit là, soit là. Alors, on va dire là. Attendez, parce que Julio, il l'a mise là. Là, on va pas pouvoir changer tout ça quand même. Et celles-ci, elles sont alignées? Je comprends rien. Ah, ça fait un moment que j'ai pas fait des courses Breath of the Wild. Et ouais, il doit rester sûrement un point d'exclamation race. Il doit pointer sur la dernière que j'ai faite. Quoi ça? Ah oui, c'est ce truc-là. Ça, on les mettra à la fin. Ah. Quelle galère cette tile. De toute façon, le truc c'est que si j'agrandis pas cette diagonale là, je suis obligé d'agrandir celle-ci. Finalement. Vu que le mur était pas assez épais de toute manière, rajouter une épaisseur, ça va forcément agrandir une des diagonales dans un sens ou dans l'autre. Alors ça, on a fait quoi là? Voilà, il y a déjà du chevauchement. Donc tout ça, on va le déplacer là. Tac. Oulala. Du
Du coup, là, il n'y a plus besoin de faire des chevauchements bizarres. Par contre, est-ce que la transition entre ça et ça va être possible proprement? Un problème de layer là ou quoi? Couche 0. Ça c'est couche 0, ça c'est couche combien d'habitude? Couche. Non, ça devrait être couche 1 tout ça. Oui. Couche 1, ok. Comment ça marche la transition entre ces falaises là? Comme ça? Il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est plutôt ça. Ah, voilà. Ah, c'est mieux là. Alors j'ai des minuscules problèmes d'ombre ici. C'est-à-dire que ça chevauche avec ça. Et comme il y a un légèrement de semi-transparence, là je sais pas si vous voyez, j'ai genre quelques pixels. Où là il y a deux ombres l'une sur l'autre, donc ça fait un quelques pixels un tout petit peu trop foncé. Et pareil là. Et donc on peut rectifier ça. En bricolant. En fait, il suffit d'intercaler entre les deux ombres un tile vert. Donc je mets un tile vert. Et après, je mets une des deux ombres. Bon, ça, c'est du peaufinage que je devrais sans doute garder pour la fin parce que, à mon avis, les choses peuvent encore pas mal changer. Pas mis au bon endroit. Voilà. Ça a pas marché? Est-ce que c'est parce que t'as fait une erreur de syntaxe ou alors parce que t'as pas les pouvoirs? Ok, bon, il semblerait qu'on s'en soit sorti. Bon, du coup, j'ai désaligné ça. Ce qui me rend un peu nerveux. Mais bon, on va essayer. Maintenant, même problème ici. Alors, par quelle magie on a réussi? Ah oui. Oui, c'est vrai qu'entre ça et ça, il y a... Ça ne va pas du tout.
Non, non, normalement ça doit marcher. C'était commande avec un S, d'accord. Parfait. On va jamais s'en sortir, c'est beaucoup trop galère ce truc. Donc là, faut quand même changer la forme de la falaise, là on peut pas s'en sortir. Je suis obligé de faire le virage comme ça, non? Il faut que je bouge soit la vague, soit la falaise. Mais là, j'ai bougé la vague, donc je devrais pas avoir bougé la falaise. Mais et là, si j'essaye de faire un copier-coller. Voilà, de genre tout ça. Je comprends pas comment faire la transition. Celui-là, il est un peu en dupliqué, non? J'ai beaucoup de redondance. Ah, mais là, la diagonale, elle est un peu plus longue. J'ai quand même un peu agrandi, hein. C'est pour ça que ça marche. Donc si je rallonge celle-là, faudra que je rallonge celle-là aussi. Ouais, ça fait 2,5 carrés. On peut pas faire moins. Non, on peut pas. Ok, alors mettons qu'on bouge tout ça de juste 8 pixels. Et donc tout ça plus vers là. Ah, il y avait des choses en dessous de l'herbe. Non, c'est pas ça. Destructible. Ah oui. Il sert celui-là, il sert à rien non plus en fait. Oups. Ok. Ensuite, on a forcément un truc comme ça.
Alors, celui-là est plus nécessaire. Un comme ça. Et puis notre petit problème d'ombre. Je le corrige quand même tout de suite parce que je sens que sinon je risque d'oublier. Voilà. Et donc là, il manque plus que lui. Ok, maintenant on a bien la même chose là. Donc après, ça aussi, il faut le descendre de 8 pixels. Pourquoi ça me répercute sur cette falaise-là? J'y comprends rien, je vais enlever des... Je vais enlever, je vais refaire. Ensuite, il faut faire ce virage. Ah oui, donc c'était ça le truc un peu dur. Comment on va s'y prendre? Je crois qu'il devrait y avoir moyen de faire un virage comme ça. Ouais, ça ressemble. Ok, donc ça va là. Ça. Alors, il manque un petit bout là. Ah, voilà. Super. Ouais, on va y arriver. Je vais aussi mettre les petits bouts noirs. Tant que j'y pense, parce que ça fait partie des choses les plus faciles à oublier. C'est que là, toutes ces vagues-là, elles doivent être sur un fond noir. Enfin, presque noir. Mince, je vais le copier-coller pour l'avoir pour les autres. Celle de côté aussi, là. Par exemple, là, il manque. Pardon. HTTPS, ouais. Donc ensuite, même chose. Il va falloir ajouter 8 pixels de long à cette falaise. Comment faire? Où est-ce qu'on les trouve les 8 pixels? Ou alors on va vers le haut. J'essaye de déformer le moins possible ce qu'il avait voulu faire. Parce que celle-là, on l'a déjà descendue de 8 pixels. Celle-là aussi, 8. Celle-là, on peut la remonter de 8 pixels si on veut. Ou alors j'enlève toute cette ligne-là. La ligne du bas, et je la descends de 8 pixels. Je suis quand même plus à l'aise de remonter tout. Ok. Donc ça serait comme ça.
On verra après pour mettre des pierres ici. Donc comme ça. Je remonte tout de 8 pixels, mais je décale à droite de 8 pixels. Voilà. Et maintenant ici on a à nouveau un angle impossible. Parce que là il n'y aura pas de vague possible. Mais c'est pas grave, on va improviser. Va déjà finir notre petite falaise de ce côté-ci. Ouais, il y a des trucs qui vont pas. Au niveau des couches. Couche 1, couche 0. Ça devrait être dans la couche 0. Ça aussi. Enfin non. Ouais, bon, on verra tout ce qui est couche plus tard, hein, parce que là, ça va pas. On s'occupera des couches plus tard. Mais du coup, ces trucs-là, faut quand même que je sache. Eux, ils seront couche 0. D'accord. Ça roule. Ouais, quand je fais des vagues qui se chevauchent, c'est pas hyper correct non plus, je pense, parce que il y a là aussi de la semi-transparence. Mais ça tombe bien, j'en fais moins qui se chevauchent depuis la nouvelle méthode. Ah, c'est compliqué. Là, il va falloir essayer de, je sais pas moi, de faire un truc comme ça, non? Sauf que là, on a pas une falaise légale. Je sais pas ce qu'on peut mettre ici pour cacher la misère. Si on fait du noir, ça va faire beaucoup trop. On a déjà mis une falaise. Ah, on peut faire une comme ça peut-être. C'est franchement de la triche là. C'est trop horrible. C'est trop de la triche, ça. Je peux pas me résoudre à faire ça.
On est d'accord, hein, Phoenix. Légalement, on devrait faire comme ça. Avec l'eau en arrière-plan. Légalement, on devrait faire comme ça. Voilà. Et puis là, notre petit problème, c'est que cette vague-là, elle se chevauche avec celle-ci. Et donc, on n'a pas les tiles qu'il faut. On n'a pas d'angle comme ça pour les vagues. On ne peut pas gérer. Donc, on peut quand même laisser comme ça et puis mettre juste une petite pierre pour cacher. Celle-là, elle est pas bien non plus. Alors lui, il avait mis plein de pierres, genre neuf. Oui, il faudrait peut-être effectivement des tiles de vagues transparents. Outside buildings? Des tiles comme ça où il n'y a que la partie bleu foncé, bleu très foncé là et qu'il n'y ait pas la partie du reste de l'eau. Et ça nous permettrait de mieux bricoler nos vagues. Mais bon, ok. Là, c'est satisfaisant. Donc ensuite, je rajoute mes petites ombres, parce que ça, si on ne le fait pas maintenant, on va oublier. Ah, et là, j'ai changé un truc alors. J'ai quand même tout décalé de 8 pixels vers le haut. Donc ça fait que finalement on peut marcher là. Donc j'ai changé le gameplay malheureusement. Pourrait faire des trous qui vont vraiment très très proches de la falaise. Pareil pour les buissons, hein. Est-ce que vous êtes choqués? Re, celle de rétro. Ça ne se voit même pas, donc ça ne te choque pas. Au bûcher. Ah, ça, c'est un peu moche. Les trous, ça va. Les buissons, moins. Alors, autre idée. Tout décalé de 8 pixels vers le bas. Ah, mais là, ça va plus du tout en bas. Non, en bas, c'est encore pire. À moins qu'on mette l'ombre au-dessus. Non, ça va pas. Là, ce qui m'embête en plus, c'est que en fait, moi je connais le moteur et je sais que Link il peut passer par là. Il peut passer là. Parce que c'est au niveau de ses pieds que ça compte les collisions avec les trous. Donc il peut passer là sans tomber dans les trous. Mais ça, c'est pas très grave, on peut toujours. On peut toujours ajouter des obstacles artificiels, des petits arbustes, n'importe quoi. Oups. Dans ce tileset, à chaque fois qu'on prend un truc, il y a plusieurs choses. On peut ajouter ça, on s'en fout, quoi. Ouais, voilà, ou des barrières, mais. Si on arrive à trouver un truc qui fait un peu plus naturel que des barrières, ce serait un peu mieux. J'ai cassé des choses dans le verre. Hop. Salut, échec et alors? T'inquiète, je sais que t'es là. Je sais que t'es encore en vie. J'ai vu que t'as streamé aujourd'hui. Alors,
Bah ça va plus trop. Donc les angles droits comme ça, on a dit qu'on acceptait. On considère ça légal. Bah ça c'est légal pour le coup. C'est juste les vagues qui manquent. Alors voilà, donc après, il nous reste le même problème que ce qu'on vient de résoudre pour ces falaises-là et celle-ci. Alors déjà, au niveau de l'alignement de tout, on a l'air d'être aligné. C'est pas très standard. Là, c'est standard. Ça serait standard. Ça l'est pas. Ah, mais ça non plus. Horizontalement, là, il est pas bon. Alors que là, il est bon. Ok. Donc tout ça, c'est ok. Si je pars de là, pour l'instant, ça va. Bon, bien sûr, là, il y a l'île qui est trop proche de cette vague-là. Mais on verra ça après. Ici, ça me semble correct. Après, là, il n'a pas trouvé les tiles qu'il faut, mais... Ah, là, ça, par contre, ça devrait être comme ça. Là, il y a un problème. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça qu'il galère, là. Peut-être qu'il a fait exprès, j'en sais rien, mais... Si on enlève le... Pourquoi il y a plusieurs escaliers? Peut-être à cause du système de couches. Là. Voilà, là il a triché en fait. Ça se voit pas parce qu'il y a l'échelle. Mais donc si on rectifie. Mais c'est clair qu'il a fait exprès, là, il a même caché. C'est, il a fait exprès. Hein. On va essayer de rectifier ça. Donc je propose de pousser cette falaise de 8 pixels vers la gauche. Ou vers la droite. En fait, comme je sais déjà qu'il va falloir agrandir celle-ci parce qu'il manque une couche de 8 pixels, on va pousser celle-ci plutôt vers la droite de 8. Mince. Mais ça va casser toutes ces belles herbes là. De toute façon, il faut que je les pousse soit à droite, soit à gauche. Ça, c'est obligatoire. Donc, à droite quand même. Il est où le bout d'herbe? Il est là. On peut quand même faire, essayer de faire un truc un peu pas trop moche. Ouais, là, il a pas triché là. Mais là, il a triché. J'espère qu'il m'en voudra pas, parce que je pense qu'il a fait exprès. Il manque un bout d'ombre. Donc ça devrait être là. Ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est mieux comme ça. Et ça c'est mieux comme ça. Très bien. Donc ça c'est fait. Après ici, voilà, on a ce même problème. Cette falaise, elle fait combien là? Pour l'instant, elle fait 2 carrés et elle devrait faire 2 carrés et demi.
Ben, on va la pousser vers le haut. Quoi, ce truc? Oui, c'est ça, il manque toujours cette fameuse épaisseur de 8 pixels. Donc si on veut l'ajouter, il faut pousser ça vers le bas. On peut pas pousser ça vers le haut. Ça nous obligera à faire ça. Ça ferait une plus grande diagonale ici. On va essayer de faire comme on a fait dans le reste de la map. C'est-à-dire pousser ça vers le bas, oui. Tout ça vers le bas. Et aussi vers la gauche. Non? Sauf que j'ai déjà poussé vers la droite, alors je devrais pas avoir besoin de les réaligner horizontalement. Voilà, c'est parce que lui doit aller là. Copier-coller. Ensuite, le bout qui manque, c'est celui-là. J'ai fait un peu trop de chevauchement inutile là, non? Comme ça? Il y a trop d'ombre là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est lui qui est en trop. D'accord. Ok. On va y arriver, hein. Voilà. Après ici, même question, il va falloir décaler tout ça, de prendre une décision. 8 pixels vers le haut ou vers le bas. Je pense vers le bas parce que il n'y a déjà pas beaucoup d'espace ici dans l'eau. Donc tout ça vers le bas. Tout ça, je pense. On refera l'herbe après. Voilà, comme ça. Ok, très bien. Petit bout d'ombre en plus. Et là aussi, et non, ça suffit pas.
C'est qui manque là? Comme ça? Oui. Comment j'ai fait? J'ai un petit bout. Ensuite. Ah oui, ça commence à tourner ici. Donc ça veut dire que lui il est là? Ouais, enfin, de toute façon, il y a plusieurs façons de faire ça. Ah, voilà, c'est ça. C'est lui qui me manquait. Ok, c'est bon. Tu penses que Julio survivra? Ouais, merci, c'est cool, ça te fasse plaisir. Alors cette falaise diagonale, elle est hyper grande. Pas super, c'est pas super beau. Mais je vais quand même devoir. Soit l'agrandir, soit baisser ça de 8 pixels vers là. Bon, ok. Est-ce que j'ai vraiment le choix là? Parce que je comprends pas. Si je baisse tout ça de 8. Ah oui, il faut les décaler aussi en diagonale. Choisir un côté aussi en diagonale. Ouais, la solution simple, ça serait quand même de rester comme ça. Ouais, non, c'est clairement ça qui sera le moins intrusif, on va dire. Il manque un bout là. Comme ça et comme ça. Et comme ça. Oups. Et comme ça. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai désaligné les vagues et j'ai pas désaligné les falaises cette fois-ci. On a le choix entre les deux, en fait, à chaque fois. Et par désaligné, j'entends, ça reste aligné sur une grille de 8 par 8, mais plus sur une grille de 16 par 16.
Je pense que dès que je vais corriger les layers, ça va péter toutes mes herbes. Mais bon. Ah, c'est pénible. Voilà, comme ça. Voilà. Apparemment, j'ai bien mis l'herbe sur les layers 1. Ça devrait pas être cela. Ok. Cette destination est pas sur la bonne couche. Bon, je pense que les falaises maintenant, l'essentiel des falaises est bon. Là, j'ai oublié le petit bout noir. On a déjà vérifié tous les petits bouts noirs. Là, il n'y en a pas non plus. Là, c'est pas le bon. Copier-coller. Je remets ça, je remets ça, je remets ça. Arrière-plan. Arrière-plan et l'eau en arrière-plan encore plus. Pareil ici. Là, c'est fait. D'accord. Donc maintenant, il reste plus que notre petite île qui est un peu problématique là parce que c'est trop près de ça. Donc c'est pareil que tout à l'heure, on pourrait si on voulait on pourrait à la rigueur faire ça, fusionner un peu les vagues. Il y a un petit bug, c'est qu'on peut marcher. Je sais plus si c'est un bug du moteur ou du tileset. Là, ça le fait pas. Là, ça le fait aussi. Il doit y avoir certains tiles qui n'ont pas la bonne couche. Pourquoi quand j'appuie sur C, je me noie? Alors C, c'est pour plonger. Ok, mais j'étais même pas sur l'eau. J'étais justement. Je croyais que j'étais pas sur l'eau, en tout cas. Ah, là, je suis plus sur l'eau, c'est clair. Suis sur du terrain traversable. Suis sur un machin comme ça. C'est pas traversable, ça. Eau profonde, eau profonde, eau profonde. Ah, bas gauche, mais. Ah, c'est celui-là qui est buggé. Il est bas gauche et il devrait être bas gauche, haut. OEAU. Bas droite, haut. Et haut gauche, haut. Et haut droite, haut.
Il faudrait que je corrige ça dans le resource pack. Je vais faire une capture d'écran. Comment on fait déjà? Voilà. Solaris ALTTP pack. Vais me créer un petit ticket pour y penser. Attendez, j'ai pas dit une bêtise, moi. Ah oui, c'est ceux-là. Oui, c'est bon. Parce qu'en fait, on utilise toujours un comme ça au-dessus de un comme ça. Pour le coup, lui, il doit être haut droite. Mais vraiment haut droite. Et puis rien en bas à gauche. Alors que lui, c'est haut droite, mais avec de l'eau en bas à gauche. Diagonale wall water patterns have wrong ground. Tac. Milestone 1.7. Voilà. Et puis je vais mettre sur la to-do list. Ça veut dire que je le ferai bientôt. Dans le prochain stream consacré à ça, pour être précis. Bon, ok. Mais alors le sujet, c'était pas ça. Le sujet, c'était ça. Est-ce que ça vous choque? Moi, ça me choque un peu. Mais c'est pas la mort non plus. Alors oui, l'échelle est toute cassée aussi, ça, je m'en suis pas encore occupé. D'abord, il faut quand même corriger la falaise, et puis après, on verra si la bouche de 8 pixels à gauche, à droite. On verra bien. Donc déjà ça, là il n'y avait pas le bon tile. Faut prendre le symétrique de lui. Donc c'est lui. Et puis là, bah même problème qu'avant, il manque 8 pixels d'épaisseur de cette falaise. Alors, et la question, c'est toujours la même, c'est est-ce qu'on peut rectifier sans trop tout péter? Le plus facile serait de monter la vague de 8 pixels comme ça. Il me faut aussi comme ça, comme ça, comme ça. Je commence à avoir l'habitude. Mais la difficulté, c'est que là, on n'a pas beaucoup de place. Il manque pas. Ouais, lui, il est un peu comme ça. Voilà. Il est censé être plus comme ça. Ok.
Elle est comment la vague là? Je comprends pas. Est comme ça? Ah oui. Ok. Je crois que c'est tout. Je pense que c'est bon là. Je crois qu'on a réussi. Alors après, il y avait cette histoire de d'échelle. Il faut que je teste toutes les échelles. Celle-là a été complètement cassée, on a vu, mais il y en a plein en fait dans cette map. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-là, elle m'inquiète parce que on dirait qu'il manque des trucs. Ah oui, mais en fait, c'est l'éditeur là que je lance, c'est pas le moteur. Parce que l'éditeur est compilé en debug. Ah, ça marche bien l'électrocution là. Ok, donc cette échelle-là semble fonctionner. Les autres sont sûrement toutes cassées. Oui, ok. Donc si je me souviens bien, elles sont un peu dupliquées les échelles parce que il y en a un bout, il y a tous ces tiles-là et ces deux entités-là sont sur la couche 0. Et l'autre bout sur la couche 1. Là, c'est l'autre partie de l'échelle. Et puis il y a un système, il y a un petit code qui change le héros de layer. afficher toutes les couches. C'est bon, j'ai remise? Où est-ce qu'elle est passée, mon échelle? J'avais supprimé. Je vais juste vérifier. Afficher toutes les couches. Je cache la 0 et maintenant je cache la 1. D'accord. Alors, je vais juste sélectionner tout ça. Copier-coller. Je sais pas pourquoi j'ai fait une capture d'écran. Donc ça, c'est le bout sur la couche 0. Et ça, c'est le bout sur la couche 1. Juste, je voudrais vérifier qu'il n'y a pas de tile en trop en dessous. Si, il y en a. Oh là là. Combien? Attendez, je vais faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je pense que pour que ça fonctionne. Après, non, ça change rien, oui, qu'il y ait des tiles en trop en dessous. Ça change rien. Puisqu'ils sont recouverts par l'échelle, donc c'est le terrain de l'échelle qui gagne. Est-ce qu'il y a la semi-transparence? Oui, légèrement. Mais on s'en fout en fait. Donc je pense qu'il faut l'enlever. Ça c'était comme ça. Et le sensor il a bougé ou quoi? Ah non. C'est la couche 0, couche 1. Voilà, maintenant j'ai mon modèle d'échelle complète et j'ai plus qu'à le dupliquer sur toutes les autres. Il manque des vagues là, non? Il manque des bouts de vagues. Toutes les couches.
Ouais. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de falaises. Ensuite, on peut copier ça. C'est comme ça ou c'est plus haut ou plus bas, j'en sais rien moi. Non, mais c'est bon, c'est comme ça. Et puis après, ben, il nous manque juste les petites vagues. Tac. Et tac. Ok. Donc avant de faire les autres, je vais quand même vérifier que celle-ci fonctionne. Rephénix. Attendez, il y a un truc qui me plaît pas là. C'est un détail, mais lui devrait être légèrement en arrière-plan. Plus comme ça. Pareil là en fait. Quoique. Ah non. Ah, donc ça ne fonctionne pas. En fait, c'est juste que je pense que j'ai mis ma falaise sur la mauvaise couche. La falaise que j'ai ajoutée là. Non, je vais cacher. J'ai oublié de, quand même de bouger un peu tout ça. Cette falaise là, elle devrait être sur la couche 0. Donc c'était plus un problème de tile. Il faudrait que je quitte pas la map, que je quitte pas le jeu à chaque fois que je teste, parce que c'est toujours un peu long de se relancer. Qu'est-ce que j'ai fichu? C'est pas bon du tout là. Niveau des layers, tout ça, c'est sur le layer 1. Et tout ça, c'est sur le layer 0. Ouf, c'est faux ça. C'est des styles qu'on voit pas, mais. Oh, c'est faux. Il y en a combien? Il y en a 3. Oh là là. Alors. Tiens, il manque les petits bouts noirs là. Pourquoi ces scales ne fonctionnent-ils pas du tout? Ça va être un peu chiant enlever tout ça. Bon, sur les layers 1, j'ai ça. Ces tiles là. Bon, ça, c'est bon. Et sur le 0. Lui, il devrait être plus bas déjà que l'échelle. Les vagues aussi devraient être plus bas. Ça. Non, ça c'était déjà un bug. Ok. What? Bon, je supprime toute l'échelle une fois de plus. Par contre, ça, oui, je le veux celui-là.
Et là, pour info, c'est plus ce tailleux-là qu'il faut, mais je pense pas qu'on le voit beaucoup, de toute manière. Je vérifie une fois de plus cette échelle. Voilà, je suis perdu. Je remets toutes les couches. Si j'enlève la couche 1, j'ai encore des tiles qui restent là. Oh, j'en ai combien? J'en ai combien des échelles là? Il y en a encore. Ok. Bon, ça c'est mon échelle modèle. Je vais la revérifier. Ça c'est afficher toutes les couches. Ok. Couche 0. Voilà, déjà couche 0, j'ai des choses en trop là. Regardez combien on a là. C'est une catastrophe. Quelque chose en dessous là? Oh là là. Mon échelle modèle n'était pas propre du tout. Donc ça va là. Donc ça c'était la couche 0 et la couche 1. Celle-là, il me semble que j'avais mieux vérifié. Hein. Ok. Après, ça n'explique pas tout. Hein. Ok, copier-coller. Faut aussi que j'en profite pour corriger tous ces tiles en trop qu'on a vus sur celle-ci. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas de tile dynamique là-dedans, si. Tout est statique, il me semble. Ça fonctionne encore. Et maintenant, c'est juste ce bug d'affichage, quoi. Donc sur la couche 1, il doit y avoir un problème. Tile dynamique. Visible false. Ok. Et là, pareil. C'est ça l'astuce. J'ai des tiles dynamiques qui sont invisibles. J'avais oublié ce détail. Donc il faut quand même pas mettre n'importe quoi en dessous, c'est-à-dire sur la couche. Bah, d'ailleurs, non, sur la couche. Même sur la couche 1, je pense qu'il faut pas mettre n'importe quoi en dessous. Mais comment j'ai fait? Je comprends rien. Ah là, il n'y avait rien du tout.
C'est que la couche 0 qui a ce tile. Huh. What? Mais depuis quand? Couche 0. Ah! Ah! Ok. Ok. Mais comment c'est possible? Lui, il est sur la couche 0. Suis perturbé parce qu'en fait, j'ai pas les grosses bordures là. Elles sont sur la couche 1 et ça, c'est sur la couche 0. Mais ici, comme c'est des falaises sans la bordure. On est directement en contact avec ce tile. Mais ce tile, voilà, il est quand même bien sur la couche 0. Et donc là, en l'occurrence, il était pas, il n'avait pas été mis sur la bonne couche. C'est toujours pas bon. Est-ce que j'ai sauvegardé? Oui. Oui, maintenant j'ai remis sur la bonne couche, mais il faut que je mette en arrière-plan derrière. Les tiles statiques de l'échelle. Mais devant l'eau. Voilà, c'est bon. Quelle galère, nom de Zeus. Ok. Donc mon modèle est correct, mais il faut juste que le tile soit sur la bonne couche, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas encore. J'ai dit que je m'occuperai des couches à la fin. Faut quand même au moins que je m'occupe tout de suite des couches, des échelles. Ici, il y a un coquillage normalement, non? Bon, ça devrait aller plus vite pour les autres maintenant que j'ai retrouvé comment on fait. Ok, donc je vais pas m'emmerder, je vais les supprimer complètement. Qu'elles sont à peu près toutes cassées de toute manière. Ensuite. Attendez, pourquoi quand j'appuie sur 1, je vois ça? Ah, parce que ça, c'est sur la mauvaise couche. Couche 1. Couche 1. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, il faut le mettre sur la couche 0. Mais du coup, partout. Là, c'est bien sur la couche 0, celui-là, le vertical. J'ai 18 000 fois le même tile encore. Oh là là. C'est incroyable. Il y en a encore en dessous. En dessous de l'herbe. Ah oui, l'herbe elle est sur la couche 1, mais ça c'est normal. Waouh. Heureusement qu'on nettoie tout ça. Donc ça c'est sur la couche 1, ça je veux bien. Mais ça c'est sur la couche 0. Voilà. Ensuite, on peut finir l'herbe. Alors l'herbe est sur la couche 1. Donc comme ça. Ensuite, on peut ajouter l'échelle. Suivante. Couche 0.
copier-coller. C'est bon. Je revérifie que l'étage était OK. Ouf, la falaise n'est pas sur le bon layer là. Oui. C'est juste ce bout-là qui est pas non plus sur la bonne couche. Voilà, zéro. Pas besoin qu'il soit en trois morceaux. Tout ça, c'est sur la couche 0. Et ça, sur la couche 1. Très bien. Next. Couche 0, couche 0, couche 0. Et ça aussi, couche 0. Et ça, il n'a pas besoin. Donc à chaque fois, ça pète l'herbe, évidemment. Copier-coller. Et 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, on en a fait. Il en reste encore 2. Oh là là, oh là là, oh là là, celle-ci, quelle horreur. Oh. La vache. C'est sûrement de ma faute, hein. Ok. Couche 0. L'herbe dépassée un petit peu. Ensuite, coller. Hop. Ça ne va pas du tout. C'est quoi ça d'ailleurs? Ah oui, ça devrait être sur la couche 0 aussi. Et en arrière-plan d'ailleurs, j'ai oublié l'autre, à mon avis, arrière-plan aussi. Par exemple, là, c'est pas cohérent, celui-là, il est sur la couche 1. Et alors que là, il y a le même sur la couche 0. Il faut que je regarde une map modèle pour savoir, parce que je sais plus lequel va où. Ok, donc il va sur la couche 0. Tout ça me semble bien. Eux aussi, c'est couche 0. Ça va pas non plus là. Tout ça, c'est couche 0 normalement. Tout cela. Boum. Forcément, l'herbe ne va pas être contente. Encore d'autres petits bouts, merde, qui sont pas sur la bonne couche.
Je crois qu'il y a encore un problème ici, attendez. Ça, c'est la couche 1. Et ça, c'est la couche 0. Ouais, oh là là, c'est... Ça va pas. Tout ça, c'est couche 0, normalement. C'est quoi ces petits bouts d'ombre là déjà? N'a pas besoin ici. Ok. Franchement, il maîtrise pas mal hein, les falaises. Les histoires des couches, tant que t'as pas testé et que tu t'es pas fait avoir, tu peux pas deviner. Hein. Mais par rapport aux falaises, non, non, il a bien géré, il a fait des choix. La seule erreur, c'est vraiment ce truc-là. Hein. Tout le reste, c'était hyper propre. Je me demande même s'il a pas fait exprès, d'ailleurs. Mais je suis assez impressionné par rapport au. Ben ouais, d'habitude les gens ils se cassent les dents sur ces graphismes. Ils font des trucs pas exactement comme A Link to the Past, quoi. Où j'en étais? J'étais en train de réparer les escaliers là, puis je me suis un peu perdu dans les layers. Il restait plus que celui-là. Hein. Après, faudra qu'on les teste. Y a un bout rose là qui va pas. Couche 0, parfait. Couche 0, parfait. Couche 0. Presque parfait. Non, pourquoi il y a un bout rose? Il manque de l'herbe. Voilà. Et mon escalier modèle. N'a plus qu'à le mettre là. Y a des trucs qui vont pas sur les arbres là, il manque un tile. C'est vraiment pénible d'avoir ce tile là qui est à part. Et je crois que c'est non, je crois que c'est exprès, il y a une bonne raison. Couche 1. Donc non, il devrait être sur la couche 2. Les arbres, les feuillages, ils sont au-dessus de tout le reste. Ok, apparemment, il les a pas oubliés dans les autres. Il est quand même assez minutieux, hein. La map template. C'est quoi la map template? C'est la map où j'ai des exemples de. Example. Outside store. Ouais, peut-être bien que ces modèles d'escalier là, ils ont des problèmes. Merde. Non, quoique ça a l'air ok au niveau du nombre de tiles. Bon alors, je vérifie toutes les falaises. Rien de bizarre sur ça, c'est pas bon. Ce tile-là, il devrait. D'ailleurs, pourquoi il y en a deux? Il devrait être sur l'autre layer. Hein. Layer 0. Ah, mais je suis pas dans la bonne map. Je me disais, mais merde, j'ai déjà réparé celui-là.
Ok. Voilà, je voulais vér donc vérifier. On voit mieux en commençant par le layer 1, je trouve. Ça, c'est pas le bon, la bonne couche, même si ça change pas grand-chose pour ce tile-là. Je vérifie tous les contours là que c'est cohérent, que surtout il n'y a pas de trou. Surtout qu'il n'y ait pas de trou parce que s'il manque un tile, genre il serait dans la mauvaise couche, ben on pourrait tomber directement sur le mur quoi. Les seuls trous, c'est ouais, des escaliers quoi. Couche 0, celui-là, celui-là. Ces deux-là aussi, trois là. Voilà. Celui-là aussi. Ah, il faut refaire toute l'herbe à chaque fois. Celui-là aussi, c'est couche 0 du coup. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a déjà de l'herbe. Bon. Bon, j'optimise pas à fond la disposition de l'herbe. Faut pas exagérer. On dirait qu'il y a un tile superflu là, attendez. Celui-là, hop, on peut remplacer par rallonger celui-ci. Oula, ça va pas. Enfin, si, ça va justement, mais ils sont incomplets. Ah oui, c'est à cause de ça. Mais quand même, lui, il devrait être sur la couche 0. Lui aussi. Lui aussi. Là, il me manque un tile, c'est l'inverse. Lui, il devrait être sur la couche 1. Et donc, dans la couche 0, là, j'ai de la redondance un petit peu. Voilà, comme ça, c'est mieux. L'eau qui dépasse un peu, même si ça se verra pas. C'est mon côté maniaque. Je trouve qu'on voit mieux que tout est bien net si même l'eau ne se permet pas de dépasser. Mais super taille le dos gigantesque juste pour ça. Il manque les trucs noirs là, non? Ouais. Parfait. Ah oui, alors là on a même la couche 2 là, donc on va enlever la couche 2. Celui-là c'est quoi ce truc? Couche 0, non. 0, 1, 2. Je pense qu'il faut juste le virer ce petit bout de mur. Non, faut peut-être pas le virer, mais il faut le mettre sur la couche numéro 1. Attendez.
Je vais rester safe. Contrôle Z. Pourquoi il revient pas? Parce que c'est pas le même genre de mur, peut-être. C'est un mur pour tout le monde, en fait, que je veux. Alors, ben, je pense qu'il n'y a plus qu'à corriger l'herbe et puis après on sera bon, hein. Okay, c'est pas mal. On va tester les escaliers maintenant. Là, c'est quoi toutes ces notifications? Alors, les escaliers, les échelles. Je reteste quand même celle-ci parce que j'ai un peu parano. J'avais changé un petit truc dedans, mais c'était celle de l'autre map. Mais quand même, juste pour être sûr. Celle-ci fonctionne bien. Bon, j'en ai 7, hein. Faut être sûr de pas en oublier. Là, on en a déjà testé 3. 4. Ça a l'air de fonctionner. Je veux juste pas me faire électrocuter. 6. Alors là, il y a un problème de tile là. Ça va pas. Il y a un problème au moins d'affichage. C'est celle qui est près de la cabine téléphonique de droite. Et la dernière. Ça a l'air d'être bon. Alors là. J'ai des ennemis qui passent à travers. Quand je disais, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de trou. Comme ça. Et ben là, il y en a justement. C'est exactement ça. Et puis là aussi, mais là, c'est exprès. On a le droit de sauter du pont. Donc là, il manque des jumpers en fait. Je pense que dans l'ancienne map, j'avais dû mettre. Non, j'ai peut-être oublié de les mettre. Logiquement, il y avait le même bug alors dans l'ancienne version. Ouais, je vais aussi en mettre sur le pont lui-même. Y avait tous ces événements, il y avait du code là pour déclencher la cinématique. Il faudrait peut-être recopier tout ça. Alors juste les dimensions de tout ça ont changé, mais pas bien grave, on va s'y adapter. On a donc un capteur. De 16. Ouais, ok. Comme ça. On peut le mettre là, et puis le démarrage de la map ici, on va dire.
Alors, les jumpers. Par contre, lui, Julio, il veut pas qu'on puisse sauter à gauche. Moi, j'avais dit. Apparemment, on peut sauter à gauche, mais. Mais du coup, la cinématique, elle va se déclencher que par la droite quand même. Bon, on va juste pousser ça pour que le saut au moins ne nous emmène pas dans un rocher. Et puis, je suppose que cette cinématique n'a jamais encore été beaucoup testée parce qu'elle devait déjà bugger sur l'ancienne map. Alors, j'ai un bug de tile ici, j'ai encore de l'herbe qui s'affiche. Ah oui. Trop d'herbe. Oups. Oh, c'est quoi ça? Pas besoin de ce bout-là. Et là, j'ai un bout rose au fond. D'ailleurs, ici, j'avais mis de l'herbe. Donc, je vais faire pareil. Limite, ça devrait plutôt être un bout de falaise. Ouais, ça va pas l'herbe en fait là. Ça devrait être cette falaise là qui se prolonge. Mais là, on devrait être sur la couche 0 d'ailleurs. À nouveau, là, c'est pas la bonne couche. Hein. Couche 0. Donc si je reviens sur la couche 0, hop, hop, hop. Comme ça. Si j'enlève la couche 1, alors ça fait un peu moche, mais en fait c'est exprès. Ça va être recouvert. C'est juste pour ce minuscule pixel qui est là. Qu'il ait la bonne couleur. Et le reste du tile est recouvert, donc c'est ok. Ouh! Pas simple. Vraiment pas simple. Alors, y avait un tile qui buguait là? C'était celle-ci? Ouais. Oula, il y a des tiles en trop là. Ouh là là. Je l'avais vraiment corrigé celle-ci. Je pense que j'avais dû l'oublier, c'est pas possible. Ou j'ai corrigé dans la mauvaise map, vous croyez? Possible ça? En tout cas, voilà, on va la refaire. J'ai plus mon modèle parce que j'ai enlevé la dernière fois. C'est malin. Alors si je copie ça, ça devrait marcher. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y aurait pas un petit bug. Copier, coller. C'est bon. J'ai pas la place ici. C'est bon. Testons ça. Bonne nuit, Tama. Je triche, j'évite la cutscene. Ok, cette fois-ci, ça fonctionne. Bon, bah, je pense qu'on a fini pour cette map.
J'ai pas enchaîné sur l'enregistrement du tuto là parce que ça m'a quand même bien fatigué. J'enregistrerai le tuto demain dans la journée. Puis en plus, ouais, comme je disais au début du stream, je sais pas trop quoi raconter sur le HUD. Faut que je trouve des bons exemples de trucs intéressants à faire. Et que le tuto, comme toujours, ne soit pas trop long. Je vérifie vite fait une dernière fois si je vois pas des petits détails qui n'iraient pas. A l'air bon, hein. Elles sont belles ces falaises maintenant. Toujours aussi difficile à mapper, mais une fois que c'est fini, on est content du résultat. Ok, on va committer ça. Alors normalement, il y avait une issue sur GitLab. Zelda Link to the Dream. Amélioration de la map Martha Bay, c'est ça. Du coup, on peut nettoyer un peu aussi. Test. Bon, Martha Bay Old. Voilà. Oh, non, on va quand même la laisser pour l'instant. Même si c'est sûr qu'avec Git, on peut retrouver, mais. Je suis pas trop sûr de tous les scripts et tout. Il manque peut-être des choses. Les ennemis, il les a fait. Ça a bien changé quand même. Si on fait le avant-après. Faudrait que j'arrive à mettre les deux maps à peu près à la même taille. Avant, après. Avant, après. En gros, il y a beaucoup plus d'espace dans l'eau. C'est vachement plus fidèle à la map d'origine. Là, il y avait un gros vide dans l'herbe et puis on était tout serré dans l'eau. Là, c'est plus classe. Bien mieux équilibré. Donc, bien joué, Julio. Un HUD à la Seiken Densetsu 1 Mystic Quest Legend sur GBA. Il est comment le HUD? Est-ce que c'est une. Parce qu'on peut faire aussi un HUD à la Zelda 1 ou Zelda Link's Awakening, dans lequel il y a une partie de l'écran qui est occupée par un rectangle fixe en gros. Mais du coup, faudrait peut-être faire d'abord le tuto sur la caméra pour expliquer que on peut redimensionner la caméra pour qu'elle occupe pas tout l'écran. Donc ouais, Mystic Quest, c'est pareil, non? Il y a genre 16 pixels de l'écran. Les 16 pixels les plus bas de l'écran sont utilisés pour le HUD. Et le reste pour le jeu, quoi. Comme dans Link's Awakening. Ouais, ça serait cool. C'est une bonne idée, je vais le noter. Merci pour la suggestion. Mystic Quest. Le truc, c'est que j'essaye de faire des tutos avec des graphismes libres. Donc, je pense que je vais reprendre les cœurs libres qu'on a, puis je vais mettre des cœurs, du texte, ouais, cœur, rubis, item. Ouais, je vais m'inspirer de Link's Awakening, je pense. Et essayer de faire tenir ça sur 16 pixels de haut. Ça serait un bon exemple de HUD complètement différent. Ouais, mais du coup, d'abord, faut que je fasse un tuto sur la caméra.
Je sais plus si j'avais fait un tuto sur la caméra dans 1.5. Dans la playlist de tuto précédent. Bon alors, attendez, je vais finir mon petit commit. Juste une seconde. Hop, hop, hop. 697. Ah, il faut que je fasse une merge request. Enfin, une branche. Autant vous montrer ce que je fais. Et du coup, ma branche dev, il faut que je la remette. Je la resynchronise sur origine. Voilà. Et maintenant, je peux créer une merge request. Ok, c'est bon. Alors oui, les tutos. Qu'est-ce qu'on avait comme tuto sur la caméra dans la playlist 1.5? Manipulation de la caméra, il me semble que c'était une nouveauté de 1.5 justement. Je vois pas le mot caméra dans la playlist. Donc ça serait très intéressant d'en faire un. Solarus. Ça, c'est le tuto 1.5. Et donc la caméra, il faudrait qu'on regarde le changelog. Caméra, caméra, caméra. 1.6. Donc on a ajouté des choses dans 1.6. Voilà, la caméra est maintenant une entité de la map. Donc c'est bien 1.5. Je suppose que j'avais dû prévoir de faire un tuto sur la caméra, mais cette playlist ne s'est jamais terminée. D'ailleurs, c'est jamais fini, hein. J'ai des centaines de tutos, d'idées de tutos possibles. Ok, donc le prochain tuto sera finalement pas sur le HUD, mais sur la caméra. Et on utilisera les connaissances sur la caméra pour le tuto suivant, un exemple de HUD style Game Boy. Ok, donc ça c'est cool parce qu'il n'y avait pas encore de tuto sur la caméra. Des warnings sur la caméra, c'est-à-dire quel genre de warning?
Il y avait toujours des histoires d'ombre aussi avec ces falaises. J'ai peut-être dit un peu vite qu'on n'avait pas besoin de s'en préoccuper dans le travail qu'on a fait aujourd'hui. Genre là, il n'y a pas d'ombre à mettre. Ou là. On dirait pas. C'est plus. Ah oui, c'est sur celle-ci, ouais. Ouais, c'est un peu une incohérence dans le tile set, c'est que. Si vous regardez très bien ce tile-là, il n'y a pas d'ombre là. N'y a pas de transition vraiment entre la falaise et l'herbe. Alors que celui-là, bah, il en a une. Il a une ombre intégrée là, dans le tile. C'est un seul tile. Donc ici, on a ce minuscule bout là. Alors que là, bah non. Donc on le rajoute. On le rajoute en dessous, quoi. Pourquoi j'arrive pas à le mettre? Bref, comme ça. Si on l'oublie, bah là, ici, c'est légèrement plus clair que là. Donc c'est un peu pas très cohérent que là, on n'ait pas besoin de le rajouter parce qu'il y est déjà sur ce bout-là, mais pas sur le bout. Pas sur ce bout-ci. Mais bon. Ok. Très bien. Mais ces falaises-là, ouais, du coup. Dirais que là c'est pas bon, par exemple. Attendez, parce que j'ai fait du switch de branche sans avoir fermé l'éditeur. Faut que je revienne sur la branche 697. Donc map out C4. Mais ça c'est la hold. Voilà, donc par exemple ici il manque le bout d'ombre. Donc c'est facile de se tromper. Alors, je vais vérifier un peu partout. On n'a pas beaucoup en fait des murs dans cette orientation-là. Il y a lui, mais lui il a déjà eu l'ombre intégrée. En fait, il n'y en a pas d'autres parce que tous ces murs-là, ils sont dans cette map, il se trouve qu'ils plongent dans l'eau. Donc ils n'ont pas cette question-là. Ils ont l'autre subtilité qu'il faut mettre un machin noir comme ça en dessous des vagues. Sinon, il y a deux pixels qui sont faux. Ils sont très légèrement faux. C'est vraiment un truc de malade, ces falaises. Bon, ok, bah, je vais refaire un commit pour rectifier cette petite ombre. Hop, c'est bon. Ah, le warning sur map get camera position. Oh bah oui, il suffit vraiment de remplacer textuellement, comme te le conseille le warning. Parce que maintenant que la caméra est une entité, il n'y a pas besoin d'avoir une fonction spéciale get camera position, tu fais juste caméra get position. Ou get bounding box. Moi j'ai des warnings de deprecated dans certains de mes jeux parce que j'ai pas encore tout remplacé. Parce qu'il y a certains remplacements qui sont un tout petit peu plus embêtants à faire que celui-là. Celui-là, il est facile.
Mais ouais, cette histoire d'ombre, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui y fassent attention. C'est vraiment... Et là, par contre, celle-là est trop foncée. Parce qu'elle est trop étendue vers le bas. Or, je vous disais, le tile contient déjà l'ombre. Ce qui est un peu une erreur d'ailleurs, mais bon. Tant que c'est pas corrigé, on fait avec. Bon, bah, je vais recommitter. Je vais quand même rebase, je vais quand même squash les trois commits. Fix up, c'est comme ça qu'on fusionne les deux commits. Non, j'ai plus qu'un seul commit qui correspond à tout ce que j'ai fait ce soir. Et c'est bon, j'ai mis à jour la merge request. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce projet, ou sur ces magnifiques falaises, ou sur les tutos, des suggestions de tutos que vous aimeriez voir, même si souvent ça risque de prendre du temps vu le nombre de tutos que je dois faire. Ah, je voulais faire un raid à quelqu'un, mais en fait, il est plus connecté. T'aimes bien les nouveaux tutos? Ok, bah c'est parfait. Des tutos communautaires? Tu veux dire que les gens fassent leur pro proposent leurs propres tutos? Ben ouais, rien ne les empêche, puis après on peut toujours faire s'ils sont bien, on peut toujours en parler sur Discord. J'ai pas trop d'idées pour un raid parce qu'il n'y a pas énormément de gens que je suis qui sont en ligne. Ah oui, pour les mettre sur le site. Ouais, ça c'est plus de boulot par contre. Trop de morceaux de scotch dans ton code. Ouais. Normal. En tout cas, ce projet avance pas mal en ce moment encore. Même si Bimba n'a plus trop le temps de bosser dessus. Parce que, bah, comme vous le voyez, il y a Julio qui est à fond sur les graphismes. Et puis il y a Kak. Je sais pas s'il est encore là, mais il prend le relais de recréer les musiques restantes avec les instruments de Link to the Past. L'23 va approcher. Ouais, je pense que Mercury's Chest, ça va être mort, quoi. Je bosse pas du tout dessus.
On a beaucoup trop de projets en parallèle. Ouais, non, mais toujours présent, je voulais dire dans le chat là. Je sais pas s'il regarde encore le live. Mais en tout cas, merci à lui pour les nouvelles musiques, ça va poutrer. Ok, et bien sur ce, on va se quitter. Demain soir, j'ai un tournoi de Blitz, donc je vais pas streamer. À moins que je sois en super forme et que je stream en rentrant super tard. Genre à 23h. Et Lurk, ouais. C'est vrai que je peux voir la liste des utilisateurs dans le chat. En tout cas, voilà. Le prochain stream, ça sera. Ah, puis oui, demain, il faut aussi que j'enregistre les tutos, de toute façon. Donc, demain soir, minuit, il y aura les deux nouveaux tutos, normalement sur la caméra. Donc. Et merci pour la suggestion de tuto. C'est une bonne idée. Et puis, voilà, peut-être un stream d'échecs aussi dans pas longtemps. Et un stream de. Live coding Solarus. Je me suis fait un petit board sur GitLab. Où est-ce qu'il est? Boards. Tac. Toute cette colonne-là, la colonne to do, c'est. Bah, il y en a 20 apparemment, 20 tickets que j'ai envie de faire très prochainement. Sur Solarus, Solarus Quest Editor, et puis quelques packs de ressources, et même ZSDX d'ailleurs. Ça va être rigolo. Donc on fera un stream sur ça. Enfin plusieurs, parce que je vais pas corriger 20 bugs en une seule soirée. Ah, du level design, ouais, ça j'ai jamais pensé à en faire, tiens. Ouais, pour le coup, c'est. Un autre sujet. Comment faire des labyrinthes super durs? Ça, je sais comment faire des labyrinthes durs. Il suffit de faire des circuits dans le labyrinthe et pas trop d'impasses pour qu'on tourne en rond et qu'on revienne toujours au même endroit. Parce que si vous faites beaucoup d'impasses dans le labyrinthe, bah, par élimination, les joueurs ils vont savoir où sont les impasses et ils vont plus y aller. Comment faire des labyrinthes de blocs, ouais. Non mais ça. Les gens ont fait une overdose, je crois, des énigmes de blocs à pousser. Mais je crois que c'est toujours pas bon là. Je vais recommitter. D'ailleurs, il y a un bug de tileset aussi, là, il y a un minuscule pixel en trop là, en haut à droite. Alors que là, il n'y a pas le problème sur celui-là. Donc, ouais. Rejouer à Solarus DX. Ah. Bah dans ce cas, c'est quoi le prochain stream? Quand je ferai ça, je vais commencer par les deux tickets sur Zelda Solarus DX. Et comme ça, tu pourras tester la version améliorée. C'est justement par rapport à des labyrinthes qui sont. Trop abusément, inutilement compliqué. Ok, et bien sur ce. Alors attends. Ah, t'as jamais fini. ZS premier du nom. Ah, la version RPG Maker. Ah oui, ça, je t'en veux pas. Non mais le mini-boss du donjon 2, c'était n'importe quoi. Un truc pas faisable? Ah! Il y avait un labyrinthe chronométré qui était super dur. Et on n'a jamais trop su si. Peut-être que sur certaines machines, il y a un problème de précision qui fait que le timer est encore plus dur. Peut-être que c'est vraiment impossible sur certaines machines, mais on ne sait pas. En tout cas, oui, je l'ai rendu nettement plus facile dans la version C++, bien sûr. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là.
Bonne nuit à toutes et à tous. Merci de m'avoir suivi et merci pour l'aide. Et c'est toujours sympa de faire ça ensemble. Plus ton PC était puissant, moins tu avais le temps. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ok. Allez, bonne nuit à tous.